blog et on commence avec cette illustration de petite citrouille. Une citrouille botanique et j'étais très intriguée quand j'ai voulu faire cette illustration de constater qu'il n'existe pas vraiment de planche botanique sur la citrouille. Ce qui m'a un petit peu désespérée, je me suis dit mais c'est pas possible. La citrouille c'est quand même emblématique, très emblématique de la saison de l'automne. Et pourtant, pas de planche botanique. Donc j'ai fouillé, j'ai cherché et puis j'ai fini par trouver quelques informations qui m'ont permis de réaliser cette planche et puis surtout de trouver un petit peu tous les éléments que je rajoute pour expliquer le type de feuille, la famille, pour expliquer aussi l'intérieur de la fleur. Donc j'ai appris que les citrouilles avaient une partie mâle, une partie femelle au niveau de la fleur et j'ai trouvé ça très intéressant. Puis je me suis penchée sur la signification qu'avait la citrouille dans notre culture, dans notre imaginaire aussi, et par écrire un petit texte pour, vous savez, ce langage des fleurs que j'expérimente beaucoup en ce moment. Donc voilà, j'ai un petit peu gribouillé sur ma planche botanique, donc il faudra que je fasse des petits changements quand je la scannerai, parce que bon, les petits gribouillis, je ne vais pas les laisser, mais je suis contente et j'ai associé la citrouille à la prospérité, à l'argent, et on l'associe aussi souvent à la guérison. Donc j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il y a cette forme ronde et généreuse justement qui me fait penser à cette fameuse prospérité. C'est vraiment cette lourdeur aussi, cette taille volumineuse que peut avoir la citrouille. Et puis c'est un petit peu pareil pour ces grains, tout se mange aussi dans la citrouille, donc je trouve ça très intéressant, même les graines qu'on peut faire griller. Donc il y a cette générosité vraiment complète en fait qu'on peut donner, qu'on peut associer à cette petite cucurbitacée. Donc voilà, et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à retrouver mes crayons pour faire des planches botaniques. Et je vous montre un petit peu le set que j'ai mis en place pour prendre en photo cette fameuse citrouille. Et je vous ai posté ça le jour d'Halloween sur Instagram. Alors pardonnez-moi pour cette transition un petit peu abrupte, j'ai pas trouvé mieux, mais j'avais vraiment envie de vous partager ce salon, le salon des loisirs créatifs où je suis allée avec ma fille et avec ma maman qui est venue passer une semaine avec moi. Ce qui m'a fait une pause d'une semaine parce que quand ma maman est là, c'est impossible pour moi de travailler Donc voilà, ça a été une semaine de pause où j'ai pu en profiter pour faire des petites choses un peu plus créatives aussi. Alors, je peux pas dire ça alors que je fais des dessins souvent, tout le temps, mais quelque chose qui change de l'ordinaire. Et là, j'avoue que le salon des loisirs créatifs était magnifique. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de choses autour de la couture. J'étais très étonnée, c'est vraiment la couture qui a été représentée. Pas beaucoup de dessins, rien pour les enfants, par contre. Donc, ça a plus été un salon pour les adultes. Il y a eu quelques bijoux, quelques macramés, mais vraiment la plupart des choses, voilà, comme vous pouvez le voir ici, il y avait des expositions autour du patchwork, autour de la broderie, du point de croix. C'était magnifique. Vraiment magnifique. Là, on est dans un style... Il y avait une partie du salon où il y avait deux emplacements, comme vous avez pu le voir au début, sur vraiment des expositions, hein, donc autour de la perle, de la perlerie, et puis ici, autour du patchwork. Et il y avait une artiste que j'ai trouvée absolument fabuleuse. Je vous la montre juste après, vous allez voir les images après. Qui travaille, alors c'est une personne qui a fait les Beaux-Arts. Je vous montre un petit peu plus loin sa carte, donc vous pourrez la retrouver facilement si vous le souhaitez. Et voilà, donc c'est une personne qui a fait les Beaux-Arts et puis qui, à la retraite, en fait, avait vraiment envie de se pencher sur l'exploration de la couture, l'exploration de la broderie sous diverses formes et puis qui associe aussi de la peinture sur ses toiles.
Voyez là tous les détails comme c'est absolument magnifique. Et donc on est dans en même temps de la teinture, de la peinture, en même temps de la couture, en même temps de la broderie. Et elle crée des grandes pièces, comme vous pouvez le voir ici. Alors, je lui ai posé des questions et c'est une personne qui vit au bord de la mer. Donc, on retrouve cette influence dans son travail. On retrouve beaucoup de choses qui sont en lien avec la mer, la couleur bleue aussi. Et ça m'a complètement fascinée. J'ai trouvé ça absolument magnifique, de délicatesse. On a ici des enchevêtrements justement de pièces aérées et aériennes. Là, on retrouve des tableaux, comme vous pouvez le voir, avec cette petite cabane de pêcheur. Absolument superbe. Donc là, voilà, vous avez sa carte de visite pour retrouver cette personne. Et elle avait des tout petits tableaux. Alors, voici les tout petits tableaux en question. Elle nous a expliqué qu'elle les réalisait avec un point qui s'appelle le point impressionniste, qu'on retrouve sur les machines à coudre. Et donc, ça lui permet de faire ces tout petits tableaux. On dirait vraiment de la peinture impressionniste. Donc, c'est impressionnant. C'est impressionnant à voir. Donc, voilà les trois petits tableaux qu'elle exposait à côté de ce très, très grand tableau. J'appelle ça des tableaux, mais je ne sais pas très bien comment dire, hein, parce que ce n'est pas vraiment sur toile, c'est sur tissu. Et vous voyez tous ces détails qui sont rajoutés par-dessus, qui sont cousus, qui sont peints directement sur le tissu. Sublime. Vraiment une très très belle découverte, une artiste à suivre et à découvrir. Alors on a continué après, tout le reste du salon, il y avait vraiment beaucoup de stands. Ici c'est des petites cocottes, j'en ai fait à la maison, c'est très facile à faire, vous pouvez trouver des tutos très facilement pas sur Instagram, mais un petit peu partout. Et là, le stand, ah, j'ai eu un coup de cœur pour ce stand de point de croix. Il y avait un petit sac qui me faisait vraiment de l'œil, mais il fallait le faire soi-même. Alors, le point de croix, j'aurais pu. Et j'ai eu quelques doutes au niveau de la couture. Donc, je me suis dit, bah, tant pis, peut-être une prochaine fois. Mais dans un style en rouge, blanc et bleu, complètement rétro, j'ai trouvé ça magnifique. Vraiment très sympa. Cette personne, elle crée ses propres modèles, ses propres motifs, et puis ensuite, vous pouvez les retrouver. Et puis, vous allez le voir, je ne vous ai pas filmé beaucoup d'autres choses en plus, parce qu'en fait, j'ai branché ma caméra au moment où j'ai pensé l'éteindre. Et je l'ai éteint au moment où je pensais filmer, ce qui fait que j'avais plus de batterie juste après. Et voilà, donc vous allez terminer sur ces quelques images, et puis moi, juste après, je vous montre ce que j'ai acheté et ce que j'ai fait justement en revenant du salon créatif, mais à faire, vraiment. Coucou, voici ce que j'ai rapporté du salon des loisirs créatifs. Je me suis fait plaisir avec deux points de croix, deux modèles. Donc ce ne sont pas des kits, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas les fils, la toile. Je les ai achetés en plus à côté. Les fils, j'en avais déjà plein, mais la toile, j'en avais pas. Donc j'ai acheté de la toile à côté, je vous la montre juste après. Et donc j'ai craqué pour ce motif. C'est l'hiver dans ma clairière de chez Fleur de Lin, avec deux petits rennes. Et pour celui-ci, le nichoir de Noël que j'ai fait. Alors je vais vous le montrer tout de suite. Alors mes fils n'étaient pas des fils de chez DMC, donc je me suis débrouillée avec ce que j'avais, mais j'en avais vraiment beaucoup, donc j'ai pu faire quelque chose d'assez similaire. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Par contre, j'ai acheté du fil d'argent en plus, puis j'en ai rajouté un petit peu plus que ce qu'il en faut normalement dans le modèle. Mais bon, on aime bien quand ça brille. Donc au lieu de le faire sur un nichoir comme c'était présenté ici, parce que je voyais pas vraiment l'intérêt, moi j'avais envie de le mettre sur une porte, je l'ai fait sur je sais pas comment on appelle ça, un petit cadre en bois. Et en dessous, pour faire cet effet de volume, j'avais pas de mousse. Alors j'ai pris, je sais pas si vous allez entendre, j'ai pris du papier bulle. Voilà, c'est pas ça qui manque à la maison, le papier bulle. Donc je vous ai chippé un peu de papier bulle et puis je l'ai mis en dessous pour avoir ce petit relief.
Et j'aime beaucoup, hein. Vraiment, je trouve très très joli ce modèle. Il a été assez facile à faire. Je l'ai fait la semaine, hein, où ma maman était là, du coup, donc j'ai enchaîné directement les deux. Et là, je vais me plonger dans celui-ci. Mais c'est vraiment très agréable à faire et le point de croix, c'est vraiment facile. Donc j'aimerais bien après apprendre la broderie plus de la peinture à l'aiguille. Coucou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 1er novembre et vous m'avez vu mettre en place tout un décor pour faire une petite bêtise. Je vous la poste tout de suite si vous ne l'avez pas vue sur Instagram du coup. Je me suis amusée. Je me suis amusée comme vous avez pu le voir. Et puis bah, ça a été l'occasion. Pour le coup, bah, ça y est, mon sapin est fait. Bon, en fait, ça n'a pas été facile à faire parce que j'avais jamais la bonne lumière et tout. Il a fallu que je baisse les volets, que je mette des trucs. Enfin, ça a été un peu galère l'endroit où bah, je mets mon sapin habituellement. Je me suis dit que si je mettais le sapin pour la déco, je n'allais pas le retirer pour le remettre 15 jours plus tard. Donc. Voilà, c'est pas grave, le sapin est mis et puis j'en suis très contente parce que du coup ça m'a bien fait plaisir hier d'allumer les lumières de mon sapin. Et ça n'a pas été facile non plus parce que du coup en fait vous le voyez pas sur la vidéo mais vous devez le voir quand même un petit peu. J'ai attrapé le Covid de Maxime donc j'étais complètement à plat, j'ai encore un peu la toux mais là je m'en remets. Je pense que là je suis sur le dernier jour. Aujourd'hui c'est férié et je vais en profiter pour faire des petites sculptures. En fait, je voulais faire une petite sculpture de pandarou pour ma fille qui adore les pandarous. C'est son animal quoi. C'est vraiment le pandarou. Elle dort avec un doudou pandarou depuis des années et c'est vraiment elle qui l'a choisi. Hein. C'est pas nous qui lui avons donné parmi la multitude de doudous. C'était celui-là. Elle est fascinée par les pandarous. Elle a des images de pandarou. Elle se renseigne sur les pandarous. Voilà. Donc en fait, pour Noël, j'avais envie de lui faire une petite sculpture, vous savez, comme les petits fantômes que j'ai fait, donc à peu près de cette taille-là, avec un petit pandarou et puis un petit mot en dessous qu'elle pourra garder. Voilà, j'avais bien envie de lui faire cette petite surprise-là et je n'avais pas encore trouvé le temps. Donc c'est l'occasion, elle n'est pas là, elle est chez une amie, Maxime est en train de jouer à un jeu sur l'ordinateur, donc il m'a dit non, pour l'instant je joue à un jeu donc on fait rien ensemble. Bah écoute, tant mieux, je vais me regarder un film. Je vais regarder La Proposition, ça fait vachement longtemps que je l'ai pas vu. C'est un film romantique hein, et j'adore, il est vachement sympa. C'est une comédie vraiment sympa avec Sandra Bullock et Ryan Reynolds.
Donc voilà, si vous ne l'avez pas vu, je vous la conseille vraiment, je l'adore, ce film. Et je vais donc faire ça pendant que je fais ce petit pandarou. Et voilà le petit pandarou en train de sécher. Alors j'ai dû mettre beaucoup d'eau, parce que ma terre était très mouillée. Pour la conserver, je la mouille pas mal. Ce qui fait que là, je peux plus trop le travailler. Donc il faut attendre que ça sèche et je verrai un petit peu ce que je peux faire. Mais je le trouve déjà pas mal. Voilà, je trouve qu'il est pas mal. Et puis je voudrais lui écrire un petit mot après en dessous. Peut-être travailler un petit peu la forme de son petit visage ici au niveau du bec en dessous. Du bec, n'importe quoi. Du museau. Qu'est-ce que je suis en train de raconter, moi? Hop, pour lui faire un petit museau un petit peu plus triangle. Mais là, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête parce que c'est trop mouillé, je peux rien faire de bien. Stop. Vous savez, c'est très addictif. C'est comme quand on a envie de... Quand on sait qu'il ne faut pas qu'on y touche, mais on le fait quand même. C'est terrible. Hop. Bon, allez, bref, je vais aller faire à manger et puis je vais le retravailler après. Mais déjà, il a une bonne forme, ce petit pandarou. C'est pas mal, c'est pas mal, je suis assez contente. Voilà. Le voici sec. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à le peindre. Je le trouve pas mal. Je pourrais écrire un petit mot en dessous à ma petite pépette. Alors, je vous présente le petit pandarou fini. Salut! Je suis bien contente du résultat. Je le trouve très chouette. Je pense que ça va lui faire plaisir. Je lui ai écrit un petit mot en dessous sur le bidou. Donc voilà. Donc pour ceux qui se poseraient la question, c'est de l'argile autodurcissante. Ça a été ensuite peint avec de l'acrylique. Ne faites pas ça avec une peinture à l'eau. Ça a été verni. Mon vernis a un petit peu... Il a mal pris le vernis, donc j'ai repeint un petit peu sur certains endroits, j'ai reverni après, il faut bien attendre que la peinture soit sèche. Et surtout ne pas toucher quand le vernis est encore n'est pas encore sec aussi, sinon ça vous enlève la peinture. Bonjour à tous, on est le lundi 6 novembre. Je vous retrouve pour terminer en fait ce vlog, pour clôturer un petit peu ce vlog, mais je voulais pas le clôturer comme ça sans vous apporter des réponses aux questions dont je vous ai parlé justement dans le vlog précédent, à savoir que j'étais sur un projet ou plusieurs projets et j'avais du mal à me positionner dessus, à faire le point, et dans ce dernier vlog je vous disais justement que je me laissais à peu près une semaine pour essayer de trouver un axe et puis pour développer ce fameux projet qui me faisait un petit peu peur parce que c'était un projet qui changeait de l'ordinaire, c'était un projet autour plutôt d'un livre plutôt que d'un jeu. Et il se trouve que non seulement il y avait le projet d'un livre, mais peut-être de deux, et qui amenait aussi à un jeu, voire à deux jeux, et ça devenait complètement, complètement dingue en fait cette histoire. Donc j'ai pas vraiment de conclusion, j'ai bien réfléchi, je me suis fait un axe pour le livre en question. J'ai peur de me noyer un petit peu dans ce projet-là, d'autant plus que vraiment c'est un projet qui amène d'autres projets. Et ça c'est un peu perturbant parce que toutes les idées sont là en même temps et j'aurais envie de tout mettre en place. Évidemment j'ai pas le temps, j'ai pas la possibilité de créer plusieurs livres en même temps et plusieurs jeux en même temps. Là je crois que c'est pas la bonne approche, là je vous déconseille de faire ça. C'est le meilleur moyen de ne pas en finir un et surtout de se noyer et d'être complètement frustré. Parce que justement, bah, trop d'idées vous empêchent aussi de créer. Donc j'essaie vraiment de me fixer sur un projet. Là, j'ai fait tout un plan. J'ai commencé par faire vraiment le sommaire du livre pour me fixer un plan, me cadrer un petit peu dans cette énergie-là. Mais clairement, c'est une sorte de livre un peu...
un peu fourre-tout, si je peux dire ça comme ça, parce qu'on aborde plusieurs notions qui pourraient être sympas d'être développées. Et donc, ça laisse la possibilité, l'ouverture à d'autres choses derrière, d'autres projets derrière. Donc, je ne suis pas encore vraiment calée par rapport à ça. Je prends vraiment le temps d'y réfléchir. Vous m'avez vu créer une planche botanique pour la citrouille en début de vlog. C'est une petite partie du livre, justement. Et par contre, ça, c'est clairement une partie que j'aimerais développer. C'est clairement quelque chose que j'ai envie peut-être de faire un jeu avec ces planches botaniques. Je sais que j'ai dit dans un précédent vlog que c'était quelque chose qui était déjà vu, des planches botaniques, qui était déjà vu justement autour de la magie des plantes. Voilà, ce ne serait pas quelque chose de nouveau pour vous. Et en même temps, il y a plusieurs personnes d'entre vous qui, quand j'avais dit ça, m'avaient dit que c'était quand même dommage de me limiter parce que d'autres personnes l'avaient fait avant moi, parce que de toute façon, c'était pas le même style aussi. Et c'est vrai. Et c'est un petit peu pareil, c'est un petit peu le même problème que j'ai eu pour le livre, c'est que c'est pas une idée nouvelle, mais c'est quelque chose, bah, c'est mon regard, c'est ma vision, ce sont mes dessins, ce sont mes textes, et du coup, ça en fait quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, c'est vrai que si on s'arrêtait et si on se disait, ben non, mais j'écris pas de roman, parce qu'il y a déjà des gens qui ont écrit des romans, on n'irait pas loin. On n'aurait pas une si belle littérature à portée de main, et on aurait toujours les mêmes choses, on aurait toujours le tout premier roman, et on ne pourrait pas avoir d'autres petites merveilles et d'autres petites beautés. Donc c'est vrai que ce genre de considération, il faut faire attention, parce que moi, mon but, c'est vraiment pas de faire la même chose que les autres. Alors je trouve ça, mais d'une totale inutilité. Par contre, il faut vraiment que ce soit que apporter quand même quelque chose qui soit personnel. Et puis, je crois que vous l'avez vu hein, dans mes illustrations, dans mes textes, c'est toujours quelque chose qui vient de moi, c'est toujours une envie personnelle, c'est toujours quelque chose de personnel, une approche que j'ai. Et ça doit rester comme ça parce que sinon, ça vibre pas pour moi. Je pense que d'ailleurs, je serais incapable de terminer un livre ou de terminer un jeu. S'il n'y avait pas cette approche personnelle, s'il n'y avait pas cette envie, et puis bah, cet élan qui moi, me vient du cœur aussi, et qui est dans cette optique de vous partager quelque chose qui me fait vibrer, en fait. Donc voilà. Donc je vais rester dans cette optique-là, je vais voir un petit peu ce que ça donne, parce que vraiment, ça me touche, hein, cet aspect botanique, cet aspect nature, contact à la nature, ce côté un petit peu cottage aussi. Et je crois qu'en mélangeant un petit peu tout ça, j'arrive à me projeter dans ce que j'ai envie de faire. Voilà. Ça reste mystérieux. Je vous ai quand même donné pas mal d'indices, même si ça reste un petit peu mystérieux, parce que pour moi, c'est encore un bac à sable. Vous voyez, c'est encore un terrain d'expérimentation. Et il n'y a pas. J'ai beau écrire le sommaire, je ne suis pas complètement alignée avec ce que j'ai pu mettre. Donc il faut vraiment que je le travaille jusqu'à trouver quelque chose qui me parle complètement et soit ce que j'ai envie de vous partager. Voilà le programme. Donc ça, je continue à bosser dessus pour les 15 prochains jours. Je continue de toute façon à faire quelques petites planches botaniques. Je vais pas me dire bon bah ce jeu il faut qu'il sorte l'an prochain. Donc du coup je fais tant de planches par jour, tant de planches. D'abord il faut pas plus d'une journée pour faire une planche, donc ce serait pas possible. Mais plutôt tant de planches par semaine. C'est pas l'optique du tout. Je pense que pour l'an prochain je vais peut-être rien sortir de neuf. Ou peut-être des petits produits comme ça, mais je pense que c'est trop tard maintenant pour moi pour sortir un jeu. Il y a trop d'idées qui sont présentes. Et du coup, j'ai envie de me laisser la porte ouverte à l'expérimentation, voir ce que ça donne et peut-être sortir quelque chose en 2025 et pas en 2024.
Et c'est pas grave. C'est pas grave parce que je vois que les idées sont là, les envies sont là. Et c'est peut-être aussi, j'ai peut-être aussi envie de vous proposer des choses qui sortent un petit peu de mon cadre. Mais je crois que ça y est, vous avez l'habitude maintenant. C'est pas comme si je vous avais fait des puzzles, c'est pas comme si je vous avais fait des tasses. Mais j'ai très envie aussi de développer cet univers, moi, qui me plaît. Et puis, tout ce côté aussi, des petites choses qui sont de l'ordre du bien-être, de la création. Quand je vous vois faire les puzzles, mais je trouve ça génial. Quand je me dis, bah, vous avez acheté une tasse et vous allez vous mettre sous votre petit plaid avec votre petit chocolat chaud, ça va vous faire du bien, ou une tisane, ou peu importe, mais ça va être un moment réconfortant pour vous. J'ai vraiment envie de continuer aussi à développer ça. Donc, on verra ce que ça donne. Je ne me fixe rien, je vais voir au feeling. Voilà, donc pour tout ce qui se profile, j'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route. N'hésitez pas à partager, à me mettre des petits commentaires, à me donner des petites idées aussi. C'est toujours un plaisir de vous lire et puis de savoir si peut-être il y a peut-être des choses que vous aimeriez retrouver dans mon univers. N'hésitez pas vraiment à me partager. C'est toujours agréable de savoir ce que vous pouvez avoir envie de voir aussi. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouveau vlog. On se retrouve, n'hésitez pas aussi à aller voir sur Instagram. Je suis un petit peu plus présente que sur YouTube parce que c'est des petits moments, en fait, hein, sur Instagram, sur YouTube. Je prends vraiment le temps de vous faire des vlogs, c'est beaucoup plus long. Mais sur Instagram, on se fait un petit coucou tous les jours. Et puis, on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous.